Ça rend, c'est un taux variable. C'est le taux qui a remplacé le Libor. Libor, c'était un taux qui était donné de Londres. C'était un taux européen. Et chaque 3 mois, il changeait à cause du Brexit. On est passé du Libor au Saron. Saron, c'est un taux qui est purement suisse, un taux variable. Donc, il évolue tout le temps et il évolue tous les jours. C'est la moyenne des taux qui sont réalisés par les banques suisses. Par contre, avec ta banque, quand tu vas contracter un Saron, elle va dire, on va pas changer tous les jours. Elles ont gardé un petit peu la même méthode de travail que le Libor. Le Libor, il changeait chaque 3 mois. Donc, souvent, maintenant, ils vont dire, OK, on fait un taux Saron. Mais il évolue chaque 3 mois. Il faut garder en tête que c'est un taux qui est variable. Tu peux sortir n'importe quand. Tu peux transformer le Saron de taux variable à taux fixe quand tu veux. Ce que tu peux pas faire dans l'autre sens. Hein. Si tu signes un taux pendant 10 ans, tu peux pas, après 2 ans, dire à la banque au final, je veux un Saron parce qu'il est plus avantageux, évidemment. C'est toujours la même chose. Si les taux sont hauts, tu prends un Saron et les taux baissent, tu bénéficies de la baisse. C'est pas le cas si tu as un taux fixe. Si les taux sont bas et que tu prends un Saron puis que les taux montent, ce qui vient de se passer, tu ramasses avec le Saron et pas avec un taux fixe.